Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis trop contente, j'avais trop hâte de faire cette vidéo. Bon, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, juillet, août, que c'était bien, etc. Maintenant c'est la rentrée et je sais qu'on est nombreuses à être un peu déprimées que l'année recommence. Donc je me suis dit, quoi de mieux pour remonter le moral à ceux qui sont un peu déprimés ou un peu le blues ou je sais pas trop, que de faire un petit concours. Donc on va se faire ça aujourd'hui. J'avais fait un concours, c'était il y a 2-3 mois maintenant, ça date un peu. Et je vais faire un petit historique pour ceux qui n'ont pas trop suivi. Et puis donc ça fait 2-3 mois, aujourd'hui on est quand même 150, enfin à peu près 150 de plus dans la petite communauté. Donc franchement je suis super contente et donc merci à... Franchement, assez, voilà, 150 et quelques personnes qui sont abonnées à ma chaîne, vraiment, merci beaucoup. Et puis, si vous ne l'êtes pas encore, franchement, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, voilà, à me laisser des likes, des commentaires, mais surtout, voilà, à vous abonner pour suivre les petites vidéos, pour faire partie de la communauté. Voilà, moi, ça me touche beaucoup et c'est pour ça que je fais des petits concours de temps en temps, pour, voilà, pour vous remercier, en fait, à ma façon. Alors, pour ceux et celles qui n'avaient pas suivi, j'avais fait un petit concours, ou qui n'étaient pas encore abonnés justement, j'avais fait un petit concours il y a 2-3 mois où j'avais mis deux trousses en fait, deux trousses qui contenaient chacune 18 produits. Et donc, il y avait deux gagnantes. Donc, la première gagnante, Joyce, elle s'est manifestée, tout ça, je lui ai envoyé le colis avec tous les produits. Et j'ai tiré au sort la deuxième gagnante, c'était Beauty My Queen. J'ai attendu à peu près 15 jours, je lui ai envoyé des messages sur Instagram et tout, bon, elle m'a pas répondu. Donc du coup, voilà, silence radio, j'ai tiré au sort une deuxième gagnante, Lilou. Donc maintenant, ça fait, voilà, ça fait 2 mois. Elle s'est toujours pas manifestée non plus. Donc j'avais dit, voilà, si la personne ne se manifeste pas, ben, je remettrai en jeu la trousse. Et en fait, j'avais prévu de faire un autre concours avec deux trousses complètement identiques. J'avais trop hâte de le faire celui-là, mais c'est pas grave. Je le garde pour la fin de l'année du coup. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais remettre en jeu déjà la première trousse du coup qui n'a pas été, envoyée. Et j'ai créé une seconde trousse. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. J'ai le soleil en plein dans la face. Je sais pas si vous avez vu, j'ai essayé de changer de place ma coiffeuse justement pour que la lumière soit mieux. Parce que j'ai pas de projecteur et tout. Mais du coup, j'ai le soleil en pleine gueule. Je parais complètement blanche alors qu'en fait je suis pas blanche du tout. Je sais pas si de là... Ah, en fait quand je m'éloigne c'est beaucoup mieux quoi. D'ailleurs j'ai une abonnée un jour qui m'a dit dans un commentaire mais voilà Camille t'es une super jolie nana et tout avec une blanche avec des cheveux de Catherine. Et elle me dit mais par contre c'est quoi ce teint de porcelaine, ce teint blanc de japonaise qui va pas du tout. Et c'est quoi ce fond de teint? Je lui ai dit mais je te jure c'est pas un fond de teint en fait, c'est juste que je suis un peu surexposée. Et du coup je parais toute blanche, c'est ma peau, j'avais même pas de fond de teint dans cette vidéo. Mais bon voilà c'est normal. Donc du coup pour rappel la petite trousse là, la première c'était celle-ci que j'ai pas envoyé, qui contenait 18 produits. Je vais juste les remontrer vite fait. Je vais pas forcément m'étaler dessus parce que voilà, si vous n'étiez pas encore abonné, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'il y a 2 mois où je détaillais un peu plus en fait les produits du concours. Alors à l'intérieur j'avais mis un rouge à lèvres liquide mat Douda Beauty parce que j'ai reçu de chez Sephora tout un coffret. Il y avait plus 25 rouges à lèvres je crois liquide mat, je les utilise pas tous. Donc j'avais mis celui-ci. Donc je précise bien évidemment hein, que tous les produits, que ce soit dans la première trousse ou la deuxième, sont neufs hein, bien sûr. Donc c'est celui-ci, c'est un rose liquide mat Douda Beauty. J'avais mis une crème pour les mains d'Yves Rocher à la... à la vanille blanche qui sent trop bon. J'avais mis ma poudre bronzante préférée de tous les temps qui est la terracotta de Guerlain qui est comme ceci. Je vous la montre de près à la caméra là. Bon, il y a encore le petit plastique dessus bien sûr. Donc en teinte 1, en teinte 01 brunette. Donc franchement je pense que c'est une teinte qui va voilà, quasiment à tout le monde sauf si vous avez la peau extrêmement extrêmement foncée. Mais voilà, petite terracotta de Guerlain, pour moi, ça, c'est une poudre bronzante. J'utilise depuis toujours et pour moi, je crois que ça restera la meilleure de toutes. C'est pour ça que je voulais absolument vous la faire gagner. Ensuite, j'avais mis un petit lot d'éponges comme ça, triangulaire, que je trouve absolument génial pour les cernes, les ailes du nez, le creux du menton, parce qu'elles sont hyper précises et hyper molles. Donc, je vous en avais acheté un pour vous. J'avais mis la crème pour le corps... Enfin, pour le corps, c'est une crème hydratante. Moi, je la mets sur le corps, mais on peut la mettre a priori aussi sur le visage, les mains, etc. Que j'utilise tous les soirs. Franchement, c'est ma crème chouchou. On la trouve qu'à La Réunion. Elle est à l'amande douce et cette petite crème, c'est une tuerie. Moi, elle est sur ma table de nuit, j'utilise tout le temps.
C'est celle-ci, vous ne pourrez pas la trouver en métropole. Voilà, je voulais vraiment vous la mettre parce que je l'aime de trop. Qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis un petit mascara noir volume obsession de chez Nocibé. J'avais mis une bébé crème de Nivea, crème de teint 6 en 1. Comme ça, en teinte, on n'y voit rien, en teinte claire. J'avais mis un fluide embellisseur teinté parce que, voilà, si vous êtes nouveau, peut-être que vous ne le savez pas, mais moi j'adore, quand j'applique pas de fond de teint, appliquer un fluide embellisseur teinté mélangé à l'highlighter liquide L'Oréal Accord Parfait, ce produit-là, qui est super. Je fais une petite mixture en fait, et ça fait un résultat qui est hyper nature, qui est plus léger qu'un fond de teint, mais j'adore. Donc j'ai mis celui de chez Sephora. Fluide teinté, voilà, en teinte numéro 20. C'est celui-ci. Je mets comme ça, je pense qu'on voit mieux si je mets comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis dans cette trousse? Ouais, j'avais mis une petite poudre compacte de chez Yves Rocher. Moi, c'est celle que j'ai toujours dans mon sac à main pour faire les petites retouches dans la journée. En fait, elle est comme ça. Et voilà, c'est une petite poudre compacte, vraiment translucide. Enfin, elle a quelques petits sous-tons beige. Et elle est géniale, elle est hyper légère, elle est très fine, je l'adore, moi je l'utilise vraiment, elle est dans mon sac à main tout le temps. Je vous avais mis un petit vernis Color Show, le Je mets Maybelline, vraiment orange, peps quoi pour l'été. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Ah oui, j'avais mis un produit capillaire, parce qu'à La Réunion je vous avais expliqué qu'on trouvait des super produits capillaires, voilà, hyper nourrissants, hyper hydratants pour les cheveux. Du coup, ça c'est une huile en fait, c'est une huile à l'aloe vera, 100% aloe vera, pure, bio et tout, que moi j'applique, en fait, avant de me laver les cheveux, genre, je le mets sur mes cheveux, je la laisse poser à peu près une heure, des fois un peu plus même, histoire que mes cheveux absorbent bien le produit. Et après, voilà, je me lave les cheveux, classique, avec mon shampoing et tout. Mais il s'appelle Hair Repair Polisher. Mais ça, c'est un super produit à l'aloe vera, vraiment hyper réparateur et tout. Si vous avez les cheveux secs et tout, il est génial. J'avais mis une petite palette de fard à paupières dans des tons neutres. Donc, il y a des marrons, jaunes, orangés, rouilles, des beiges. Parce qu'ici, on a un magasin type Action, où ils vendent du make-up, vraiment du make-up qui est vraiment pas mal du tout et pas très cher. Et du coup, voilà, j'avais mis cette petite palette de neutre que j'ai moi aussi et qui me sert hyper souvent quand j'ai, voilà, quand le matin j'ai pas trop le temps ou que je sais pas trop comment me maquiller. Ben, je prends cette petite palette de neutre, je mets un peu de marron, un peu de beige, un peu de rouille. Pour moi, c'est vraiment valeur sûre, quoi. Ensuite, j'avais mis une petite houppette comme ça dans un petit étui en toile où il y a marqué dessus Call Me Madame. Je l'avais trouvé trop mignon, ce petit étui un peu bobo chic. En fait, j'avais mis la même dans chaque trousse. C'est une petite houppette comme ça pour appliquer la poudre, vous savez, pour bien comme ça, tac, la faire pénétrer dans les pores. Moi, je trouve ça génial. Et histoire de ne pas l'envoyer comme ça sans rien, je l'avais protégée dans son petit étui. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis? Alors, j'avais mis crayon marron pour les yeux. Pour moi, crayon marron, c'est pareil. C'est un indispensable qu'il faut avoir dans son make-up. Voilà, même un tout petit peu de crayon, un jour vous n'avez pas trop envie de vous maquiller, tac, un peu de crayon, vous l'estompez, tout de suite ça va intensifier un peu le regard. Donc j'en avais mis un marron foncé de chez, enfin le même magasin, voilà, type Action qu'on trouve en métropole. Et j'en avais mis un d'Yves Rocher qui est un tout petit peu plus clair, qui est marron de noisette. Et j'avais mis, bien sûr, l'essentiel de l'essentiel, le crayon noir. Le crayon noir très gras de chez Nocibé, crayon Back to Black. Ça, pour moi, c'est pareil, il en faut un obligatoirement. Voilà, que ce soit, si vous mettez des fards à paupières ou non, même si vous mettez des fards à paupières, un peu de crayon en ras de cils comme ça, voilà, c'est toujours hyper joli, ça va intensifier. Si vous aimez pas trop mettre de l'eyeliner par exemple, ou alors tout simplement, voilà, un jour où vous voulez pas trop vous maquiller, moi je fais ça, des fois je mets un peu de crayon, je l'estompe un petit peu, et enfin crayon noir, voilà, c'est la base des bases. Et celui-là, il est très gras, il est super, il glisse vraiment comme du beurre, hyper facile à appliquer. Donc voilà, je vous ai mis celui-ci. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une petite lotion au micellaire démaquillante de chez Sephora que j'avais reçue. Et le dernier produit, le 18e produit de la trousse, c'était une crème Ducré que j'ai achetée en pharmacie. La KELULDS, crème apaisante squamo-réductrice, voilà, que moi j'utilise. J'essaie de vous la montrer comme ça, bon, vous voyez de façon à peu près. Que moi j'utilise notamment en période où j'ai des excès de sébum ou des pores assez importants, dilatés, etc. Ou quand j'ai la peau grasse, enfin c'est une crème, voilà. Quand on a une peau grasse à imperfection ou alors quand on a des périodes comme ça avec des excès de sébum, cette crème
tout de suite, elle va réparer immédiatement. Je vous dis, en 24-48 heures, moi quand je l'applique, et ben vraiment, voilà, je sens que quand j'ai des boutons, ils disparaissent, les imperfections, pareil, ma peau devient plus saine, quoi. Donc j'aime beaucoup ce petit produit Ducré là. Donc voilà, tout ça, tous ces petits produits, ces 18 produits, ben, c'était la trousse de l'ancien concours que je remets en jeu du coup. Tout ça dans une petite trousse comme ça, type un peu wax, que j'ai acheté ici à La Réunion. Parce que comme ça, je m'étais dit, la personne qui recevra le lot, ben, pourra garder la petite trousse style wax un peu africain, voilà, pour avoir un petit souvenir de La Réunion. Donc ça, on va dire que du coup, c'est le lot numéro 1, c'est ce lot-là, et je vais vous montrer du coup ce que j'ai préparé pour la deuxième trousse. Et alors, pour le lot numéro 2, donc il n'y aura pas 18 produits, il y aura moins de produits, je vais vous les montrer, il y aura 10 produits, parce que ce sont des produits qui sont un peu plus chers. Et voilà, comme je voulais essayer quand même d'équilibrer les trousses, notamment en termes de valeur, j'ai mis un peu moins de produits, mais vous allez voir, comme je vous dis, c'est des produits qui sont un peu plus chers. Et j'essaye aussi d'équilibrer les trousses dans le sens où, voilà, j'essaie de mettre un peu de soins, un peu de make-up, un peu d'accessoires pour que vous receviez des trousses un peu, voilà, un peu complètes. Enfin, ce que j'avais expliqué dans la dernière vidéo, c'est que moi, quand je crée les trousses, quand je compose en fait les trousses pour un concours, j'essaie de mettre dedans ce que moi j'aimerais recevoir. Donc voilà, c'est ce que je fais pour vous. Alors le premier produit, j'ai mis aussi un rouge à lèvres liquide mat Bouddha Beauty du coffret que j'avais reçu. J'en ai mis un dans cette trousse aussi. Oula, le volet s'est fermé. Alors c'est la même collection, hein, sauf que c'est un rose, c'est un autre rose. Celui-là, il est un petit peu plus nude, on va dire, un petit peu plus clair. Donc il y a celui-ci. Ensuite, je mets une petite huile de massage, enfin huile de massage, mais vous pouvez vous en servir comme huile enfin, hydratante, hein, pour le corps, au vétivier, donc qui est fabriqué à La Réunion, ici aussi, parce que je voulais vous mettre aussi quelques petits produits de La Réunion, voilà, comme vous avez pu voir aussi dans l'autre. Je pense que c'est aussi l'intérêt, le fait que je vive ici, c'est de pouvoir vous faire gagner des produits que vous ne trouveriez pas ailleurs. Donc c'est cette petite huile-là, je ne sais pas si vous la voyez, ben non, parce que de toute façon on ne voit rien, donc même si je la mets à côté de ma tête, on ne va pas voir. Donc voilà, c'est une huile au vétivier et hyper nourrissante, hyper hydratante, made in Réunion, donc ça j'adore, ça c'est pour vous. Ensuite, je vous mets une palette de fard à paupières de chez Makeup Revolution, donc qui est neuve, enfin tout est neuf bien évidemment, et je l'ai trouvée parfaite du coup pour la fin de l'été ou le début de l'automne là. En fait c'est celle-ci, cette palette de chez Makeup Revolution, qui ne contient que, bon, je l'ouvre, mais bon non, je préfère pas l'ouvrir, je laisse fermer. Voilà, qui ne contient, voyez, que des tons. Alors on reste dans les roses, mais il y a quand même des mats, il y a des irisés, des satinés. Il y a quelques orangés rouilles, quelques rouges un peu clairs aussi, quelques-uns qui sont un peu plus intenses ici. Enfin voilà, c'est une palette que je trouve vraiment très 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 intéressante là. Il y a même des marrons en bas, vous voyez ici, il y a un marron, il y a un noisette. Ça on le voit pas bien, mais en fait c'est un beige hyper irisé. Enfin les couleurs sont très 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 jolies. Je veux pas enlever le couvercle pour pas l'abîmer et vraiment pour vous l'envoyer neuve, mais les couleurs sont très 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 sympas. Donc Makeup Revolution, c'est la Reloaded Naturals 2 palette. De toute façon, je vous mettrai tous les produits en barre d'infos, hein, comme d'habitude. Et donc voilà, c'est celle-ci. Ensuite, il y a trois produits MAC dans ce lot. Parce que voilà, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que MAC est une de mes marques de make-up vraiment favorites. Et bon, les produits MAC, ils sont pas donnés. Voilà, c'est pour ça aussi que je vous disais que dans cette trousse, il y aura moins de produits que dans l'autre. Alors, il y a trois produits MAC. Le premier, vous le connaissez, là aussi, c'est sûr, si vous êtes abonné. C'est une base, c'est la Natural Radiance Base Lumière de MAC. C'est celle-ci en teinte Radiant Pink. Je vous avais déjà expliqué que pour moi, c'est une des meilleures bases que j'ai pu essayer jusqu'alors, qui vraiment va apporter éclat, lumière, enfin elle est extraordinaire. Donc Radiant Pink parce que le rose va neutraliser le gris, donc quand on a tendance à avoir le teint voilà un peu grisâtre, un peu fatigué et tout de suite ça va, vous allez voir ça va vous apporter un éclat, mais vous l'avez déjà vu sûrement dans mes vidéos, éclat de fou, que vous mettiez un fond de teint par-dessus ou pas d'ailleurs, ça va vraiment changer votre peau. Ce produit, c'est une petite merveille. Toujours de chez MAC, je vous ai mis, alors cette fois-ci c'est un soin, c'est un sérum hydratant. C'est celui-ci que moi j'ai également, mais d'ailleurs le mien, il est presque fini le mien d'ailleurs.
Mais je vous l'ai mis parce que c'est un super sérum. Autant les produits soins MAC, ils sont pas très très connus. MAC est surtout connu pour son make-up quoi. Mais celui-là, il est génial. Sérum hydratant, il est top. Et le troisième produit de chez MAC, pareil, c'est un de mes produits chouchou. C'est une poudre, c'est la banana powder. C'est celle-ci, poudre fixante. Elle est exceptionnelle quoi. Qu'est-ce qu'ils mettent? Ouais, poudre fixante, banana powder. Alors moi cette poudre, je l'applique, généralement je l'applique pas sur tout le visage, je l'applique sur la zone T et notamment sur les zones où j'ai mis mon anti-cerne. Donc anti-cerne ici, elle du nez, creux du menton. Elle est très très fine, très légère, elle va pénétrer tout de suite la peau, surtout elle dessèche pas, et ça c'est super important pour une poudre. Il y en a beaucoup qui dessèchent la peau, celle-là pas du tout. Et le fait qu'elle ait des sous-tons, enfin voilà, qu'elle soit banana quoi, qu'elle soit jaune, ça apporte vraiment la lumière. Petite banana powder de chez MAC. Alors ensuite, pour rester dans le... Enfin, pas pour rester dans les soins, on n'était plus dans les soins, mais concernant les soins, je vous ai mis un lait de chez Yves Rocher, qui est un lait réhydratant à la pulpe d'aloe vera, qui est ce petit lait qui est tout flou, mais c'est pas grave, celui ou celle qui le gagnera le verra très bien. Non, l'aloe vera, bah, c'est pour ça que je vous mets d'autres produits à l'aloe vera. Moi personnellement, je suis hyper convaincue en fait des bienfaits de l'aloe vera, mais bon, je pense qu'on l'est tous, que ce soit au niveau des cheveux, que ce soit au niveau de la peau. Enfin, l'aloe vera, elle a des milliards de vertus. Je crois que je pourrais faire une vidéo entière sur les bienfaits de l'aloe vera. Et je vous mets cette petite crème, voilà, qui est pour le corps, pour les peaux sèches, qui est top. Ensuite, un petit fond de teint que j'adore. J'avais fait une vidéo là-dessus, et d'ailleurs, je vous avais dit quand j'avais fait le crash test que j'en avais commandé deux. Et donc, du coup, comme j'en ai pas mal à finir en ce moment, et ben le deuxième, je vous l'offre. C'est l'infaillible 24 heures Fresh Wear de L'Oréal. C'est celui-ci qui est le dupe vraiment du undercover de Dior. Vraiment, enfin, vous pouvez aller voir sur toutes les chaînes YouTube. Je pense que l'avis est unanime là-dessus. Il est vraiment, enfin, c'est quasiment vraiment le même que le undercover de Dior. Donc celui-là, il est donc 30 ml, hein, fond de teint classique, ouais, en teinte 230 miel éclat. Donc c'est quand même une teinte, parce que dans cette gamme, il n'y a pas non plus des millions de teintes. Et celle-ci, moi, elle me correspond. C'est la teinte, je pense, la plus universelle, qui peut convenir à un large type de carnation et de peau. Mais il est génial, il est génial. Moi, depuis que je l'ai utilisé dans le crash test, dans la vidéo crash test, c'était il y a... Je crois que c'était il y a 3-4 mois quand même. Mais je l'adore, je l'applique super super souvent. Et je pense que je me le rachèterai aussi. Mais voilà, celui-là il est pour vous. Et puis il nous reste deux derniers petits produits. Alors je vous mets une lotion tonique, lotion hydratante de la marque Safé, qui est comme ceci. Alors là par contre, voilà, pour être honnête avec vous, je ne connais pas. C'est un cadeau que j'ai eu de Beauty Bay, ou Sephora je crois, ouais, de Sephora. Et je ne l'ai jamais utilisé, et comme j'en ai plein des lotions toniques déjà entamées ou en réserve, celle-ci, je vous la garde pour vous. Bon, vu la description, etc., ça a l'air vraiment pas mal, il y a 100 ml. Donc écoutez, voilà, ça c'est une petite lotion qui est pour vous. Et le dixième petit produit, c'est un masque de chez Sephora. C'est les masques en tissu, vous savez. Donc celui-là, c'est le masque Lotus, hydratant et relaxant, qui est comme ça. Moi, j'en ai plein. Je crois qu'en réserve, je dois en avoir une dizaine, des masques tissus comme ça. C'est hyper pratique quand on a la flemme, on se met sur son oreiller comme ça, sur son lit. Pouf, on se pose le masque et on attend. On regarde des vidéos YouTube en attendant. Non, voilà, je vous mets ça. Donc voilà, bah écoutez, voilà, du coup, il y a les 10 produits, le masque, la lotion, le fond de teint, MAC, il y a la base, le sérum, la banana powder, la palette Make-up Révolution, le lait hydratant pour le corps d'Yves Rocher, l'huile corps et cheveux au vétivier et le liquide mat Huda Beauty. J'espère que ça vous fait plaisir. Donc le lot numéro 1, c'est les 18 produits de l'ancien concours que je remets en jeu. Le lot numéro 2, c'est celui-ci qui contient 10 produits. De toute façon, en barre d'infos, je vous détaillerai le lot numéro 1 et le lot numéro 2. Comme ça, vous pourrez me dire dans les commentaires si vous avez une préférence de lot. Voilà. Au niveau des conditions de participation, j'ai rien changé. C'est toujours les mêmes. C'est-à-dire... Première condition de participation, bien sûr, être abonné à ma chaîne, hein, c'est une évidence, mais bon, je préfère le dire quand même, parce que voilà, ces petites trousses, ces petits concours, je les prépare vraiment avec toute mon affection pour vous, avec mon argent aussi, donc je veux vraiment que ce soit pour mes abonnés, quoi, pour les gens qui m'encouragent, qui me soutiennent et qui font partie de la petite communauté. Voilà, vous likez la vidéo, voilà, vous me dites en commentaire que vous participez, et vous me dites éventuellement si vous préférez le lot numéro 1 ou le lot numéro 2.
Et la troisième condition, ouais, donc être abonné, liker, commenter. Et la troisième condition, c'est de partager. Donc voilà, vous partagez soit ma chaîne, soit une de mes vidéos, celle que vous voulez, sur un réseau social, sur voilà, bah, ou sur YouTube, ou sur Instagram, ou sur Facebook. Enfin voilà, ce que vous voulez. L'idée, c'est de partager la chaîne. Et d'ailleurs, en parlant d'Instagram, si vous me suivez pas là-bas aussi, n'hésitez pas à y aller vraiment, parce que autant sur YouTube, je publie des vidéos deux fois par semaine, mercredi et dimanche. Autant sur Instagram, je publie ouais, plusieurs fois par semaine, j'adore ce réseau. Et voilà, si vous me suivez sur YouTube et que vous ne me suivez pas sur Instagram, ça ne va pas. Il faut aussi me suivre sur Instagram parce que les trois quarts des trucs se passent là-bas, je pense aussi. Les looks, les make-up et tout. Donc voilà, je vous mets le lien en dessous. Voilà, camille-lifestyle-974. Donc bah écoutez, voilà, n'hésitez pas, j'espère vraiment que ça vous fait plaisir. Voilà, c'est encore une fois ma petite façon à moi de vous remercier, parce que n'empêche, depuis le dernier concours, 150 personnes, quand j'y pense, 150 personnes, c'est énorme. Voilà, c'est énorme, 150 personnes qui se sont abonnées, et moi ça me touche trop. Donc voilà, je vous ai dit à quel point cette petite chaîne était un bonheur pour moi, comptait pour moi, et j'avais envie de vous remercier. Et du coup, le prochain concours que j'avais déjà préparé, parce que j'avais ma petite idée, qui sont deux trousses complètement identiques, pour le coup, je pense que je le ferai pour la fin de l'année, un peu avant Noël, puisque là, on va dire que c'est pour se donner des forces pour la rentrée. Et ouais, je le ferai, en décembre, je pense. Et puis pour finir, je vous mets la date limite pour participer. Donc je vous la mets par là dans l'écran, et je vous la mettrai également dans la barre d'infos. Mais voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais faire quand même une petite mention spéciale pour mes boucles d'oreilles du jour, parce que regardez la beauté de ces boucles d'oreilles. Non mais sérieusement, je vais prendre l'appareil dans ma main. Non mais franchement, je suis absolument fan de ces boucles d'oreilles. Ah, vous voyez déjà, si je me mets de là, je parais moins blanche, hein. Non, regardez, elles sont magnifiques. Je les ai achetées dans une petite boutique là quand j'étais en vacances à Saint-Gilles, et j'ai trouvé trop belles avec cette créole. Le doré brossé là, je vous ai dit que c'était ma lubie du moment. Le plexi rouge là, comme ça. Trop fan de mes boucles. Bon ben voilà, trêve de bavardage. Je crois que je vous ai tout dit, donc je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère que vous serez nombreux, nombreuses, hein, à participer, et j'espère surtout, mais vraiment, que les gagnants ou les gagnantes se manifesteront, parce que je vous jure, j'en avais parlé dans ma vidéo Chit Chat Makeup un jour, c'était il n'y a pas longtemps, j'ai publié il y a 2-3 semaines, un truc comme ça, où je disais que je comprenais pas, parce que moi je ne gagne jamais des concours, mais quand je vous dis jamais, je n'ai pas de chance, je ne gagne jamais. Donc, si je gagnais, mais laisse tomber, je serais euphorique, quoi. Je serais trop contente, j'aurais trop envie de recevoir ce que j'ai gagné. Voilà, je vous remercie encore une fois, et j'espère que voilà, notre petite communauté va s'agrandir encore, parce que c'est voilà, c'est un vrai petit bonheur, plein de partage, plein de joie. Vous m'apportez énormément. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Jusqu'à la prochaine, ben, prenez bien soin de vous, comme je vous le dis tout le temps dans la barre de description, mais c'est parce que c'est le plus important. Et moi, je vous embrasse très très fort. Ciao tout le monde.